Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mais alors très très rapide. C'est la présentation donc des nouvelles encres liquides donc de chez Action. Ils viennent de nous sortir donc 10 nouveaux pots de couleurs, donc des encres aquarelles, puisqu'à la base c'est des encres aquarelles, puisqu'elles sont déjà mélangées avec de l'eau. Donc c'est des aquarelles, mais je vais vous faire voir le rendu par rapport à des sprays alcool. Vous pourrez retrouver la vidéo de comment je transforme ces encres en spray à alcool. J'ai fait une vidéo dessus. Comme ça, vous pouvez vous retrouver avec 20 nouveaux, 20 nouvelles couleurs pour des sprays à alcool. Je trouve ça donc super original et il n'en faut pas beaucoup. Et au moins, vous avez donc différentes couleurs. Les 10 premières se trouvent ici. Donc, c'est celles qui étaient sorties il y a à peu près 1 voire 2 ans à peu près. Puisqu'ils nous en sortent à peu près, je crois que ça fait déjà pratiquement 2 ans hein, qu'elles sont sorties. Et donc ici, c'est les nouvelles qui viennent de sortir, donc les 10. Donc les premières, donc c'est les Liquid Watercolor Bright, comme ceci. Donc c'est les couleurs primaires, hein, on va dire. Et également des Liquid Watercolor Pastel. À vue d'œil comme ceci, vous pouvez voir qu'elles ne ressemblent pas du tout. Alors, il y a une petite différence, mais elles ne ressemblent pas du tout aux encres précédentes. On pourrait croire comme ça à vue d'œil quand on prend un flacon comme ça. Et avec le jaune, on pourrait dire à peu près... là, le jaune, il ressemble. C'est pas le bon modèle. Par exemple, le orange, parce que j'ai trouvé vraiment... J'ai dit, tiens, c'est pas vraiment du jaune, mais c'est du orange. Là, comme ça, tout de suite, on dirait, mais c'est à peu près les mêmes couleurs, mais pas du tout. Comme vous pouvez le voir, donc, sur les échantillons que j'ai fait, donc, pour pouvoir les reconnaître sur les bouchons, nous avons réellement 20 nouvelles couleurs au total. Hein. J'ai fait des essais, avec mes sprays à alcool, et je vous montre le rendu de ce que ça donne. Sur la première colonne, ici, vous trouvez donc la couleur Bright et ici, les pastels. Je trouve ces couleurs vraiment, vraiment beaucoup plus douces que les anciennes. Par exemple, on va vous mettre un exemple comme ceci, où donc là, c'est les anciens modèles, donc beaucoup plus pétantes. Et là, c'est vraiment des couleurs plus pastels, plus douces. Plus bonbons, on va dire. Voilà, moi je les trouve vraiment douces et je pense qu'on peut faire de superbes créations. Voilà, donc je voulais juste vous les présenter comme ceci pour vous faire voir le rendu de ce que ça faisait. Donc sur du papier aquarelle, c'est le papier aquarelle donc d'Action, côté lisse, pas côté rugueux. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et donc, pour à peu près 2 euros, 2,50 euros, ça doit être 2,49 euros de mémoire. Donc, le lot, vous pouvez y aller. Ça va faire des rendus donc de spray alcool, mais super joli, super doux pour redémarrer cette rentrée scolaire. On va pouvoir faire de superbes collections. Donc, on se retrouve très prochainement pour vous faire voir les créations que j'ai faites avec ces nouvelles encres watercolor. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!